Mesdames, messieurs, bonjour. Une fois encore, la Direction nationale du jeu vidéo aborde un sujet ô combien sensible, celui de la dangerosité des jeux vidéo sur les êtres humains. Alors, on savait déjà que les jeux vidéo pouvaient déclencher des crises d'épilepsie, voire des comportements violents envers les petits animaux chez les sujets photosensibles. On vous fait grâce des traditionnels cas d'isolement, des pertes de repères ou d'attitudes asociales des joueurs passionnés, et notamment ceux de chez Nintendo. La presse en a déjà fait ses choux gras, avec les dérives et les raccourcis que nous connaissons tous. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rapport du très sérieux Cognitive Institute of Mississippi. Dans son étude, les scientifiques mettent en lumière le lien qui existerait entre la succession d'images répétitives et leur action directe sur la santé pour celles et ceux qui les regardent avec une trop grande attention. Cette succession d'images répétitives, communément appelée frame rate dans le jargon scientifique, deviendrait dangereuse quand elle dépasserait le seuil des 60 FPS, c'est-à-dire frame per seconde. Au-delà de ce seuil, elle devient indécelable à l'œil nu et agit directement au cœur du cortex cérébral. Attention toutefois à ne pas confondre FPS et GPS, le G étant positionné alphabétiquement après le F, d'où la confusion notoire auprès du grand public. Ce pouvoir suggestif perçu inconsciemment aurait donc une incidence directe sur la production hormonale de cellules pathogènes. Pour illustrer sa théorie et prouver le bien fondé de sa démarche, le CIM, donc Cognitive Institute of Mississippi, s'appuie sur plusieurs cas, notamment celui de Colin Murray. Ce jeune américain de 28 ans, accro au jeu Candy Crush Saga, mais également à Candy Crush Soda, le célèbre jeu de réflexion basé sur l'assemblage méthodique de sucreries virtuelles, aurait contracté un diabète sucré de type 1, c'est-à-dire un diabète insulino-dépendant. Et toute conséquence inhérente à cette maladie, comme la polyurie, c'est-à-dire une émission excessive d'urine, et la polydipsie, c'est-à-dire une soif abondante. Chacune de ces parties est désormais assortie d'une prise d'insuline, ce qui est somme toute assez contraignant pour un gamer. Autre cas recensé, celui de Françoise Vignal, une Québécoise de 34 ans, originaire du Nebraska. Son addiction au jeu Sim Tractor Québec Edition aurait déclenché d'incoercibles vomissements. Les médecins ont diagnostiqué une allergie croisée à la terre et aux oligo-éléments. Ce qui est un comble pour cette citadine qui ne met jamais un pied dans le monde rural, vous en conviendrez. Les cinéphiles avertis ne manqueront pas de faire le lien avec le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, où un médecin tente de soigner un patient en l'obligeant à regarder des images répétitives, cadencées à 25 fps. Visionnaire ou pas, Stanley Kubrick souhaitait faire une critique à peine voilée de notre société de consommation et de l'omniprésence de la publicité. Notamment celle des assurances MMA, par exemple. Le rapport du CIM va donc encore plus loin que le réalisateur en préconisant l'inverse, c'est-à-dire un ralentissement drastique des images répétitives, et souhaiterait que les États membres de l'Organisation mondiale de la santé obligent les constructeurs à un abaissement du seuil des FPS à 30, ce qui serait à peu de choses près les normes utilisées dans le domaine cinématographique. Vous le voyez, le débat est ouvert. Est-ce que les constructeurs, les éditeurs, mais même les gamers accepteront de baisser le seuil des FPS? Le débat reste ouvert, le débat reste entier et la Direction nationale du jeu vidéo est fière de le porter sur la place publique. En tout état de cause, c'était un reportage de Francis de Saint-Carnot pour la Direction nationale du jeu vidéo.